Oui, merci. Je m'occupe d'organiser les actions avec les référents locaux, de voir si elles ont bien été faites, si elles ont été postées sur les réseaux sociaux, coordonner l'envoi de matériel, etc. C'est le tableau de suivi des actions. Il y a plus de 500 actions. Sur toute la France, quelle période? Entre le 2 et le 20 janvier. Voilà. On a une armée de militants. Je pense que au niveau jeune, on recrute plus sur Twitter et pour les militants un peu plus vieux, ils sont ça comme ça, c'est plus sur Facebook. Voilà. On voit aussi sur le relais des actions, par exemple, la base des jeunes va avoir tendance à publier directement la photo du tractage sur Twitter, alors que la base un peu plus âgée poste plus facilement sur Facebook. J'ai aucun droit à la déconnexion. Ouais. Je me suis levée à 5 heures. Je suis venue au local pour imprimer des papiers. Ensuite, je suis retournée dans les Yvelines, parce qu'il y avait un déplacement dans les Yvelines. Me voilà, et là j'ai un programme où il faut que je rattrape ce que j'ai pas fait ce matin. Et donc, je sais pas, je vais finir vers 20h, quelque chose comme ça. Peut-être 21h. C'est comme ça tous les jours? Bah, je commence pas aussitôt tous les jours, mais ça finit souvent tard, ouais. 36 minutes. Sur quoi? Où on est passé? Il y avait Arnaud, il y avait moi. Ah ouais? C'est bien, t'avais deux jours. Pardon. Le week-end dernier, on est allé voir les vœux d'Arnaud Montebourg en Saône-et-Loire. Et on est allé face la gare d'Autun. Et donc on s'est arrêté pour regarder, parce qu'Arnaud Montebourg vient d'Autun. Et son grand-père avait une boucherie-charcuterie face la gare. Et il nous a cités dans son discours, et donc on était très heureux. Voilà, ça nous a bien fait rire pendant un week-end.